When it comes to redressing victims of international crime, African states are on the back foot. Victims of atrocities in Africa are often left destitute, without any hope for a future in their own home countries. The ISS interviewed these victims for their views on what should be done. What can we do to ease the suffering of those affected by conflict? Oh, la vision, c'est que y a beaucoup de victimes qui attendent. Il y a beaucoup de victimes qui meurent ou encore qui se trouvent dans des situations de détresse incroyables. Et aujourd'hui, on ne peut pas résoudre la problématique de la justice sans prendre en compte au milieu du processus la situation des victimes. Je voudrais lancer justement un appel à tous les États en situation de se pencher sur ces pays, plutôt ce groupe cible, qui n'a rien fait pour être victime. Particulièrement les femmes et les enfants qui sont violés et qui subissent trop de préjudices physiques et moraux, et comment les États peuvent prendre leurs responsabilités. Je lance un appel vivant les États à situation, les pays à situation, de se pencher sur la situation des victimes avant de trouver les vrais auteurs de ces différents crimes. Find out more about what can be done to restore the dignity of victims in Africa by downloading Reparative Justice, An Afterthought in Accountability for International Crime by Alan Ngari and Stephen Kayuni from issafrica.org.